tous, j'espère que vous êtes en forme. Nouvelle vidéo aujourd'hui, mesdames et messieurs. Il y a 3 ans, enfin pas encore, il y a... C'est début 2020, au tout début du premier confinement à cause du Covid. Donc on est plus près des 3 ans que des 2, c'est pour ça que j'ai dit 3 ans. Avec mes 3 frères, Raphaël, William et Joshua, on a fait un court-métrage. J'avais écrit un petit scénario vite fait, très basique, hein, très simple, les dialogues sont pas très bien travaillés, mais les plans non plus d'ailleurs, c'était mon premier vrai truc, j'étais en quatrième. Voilà, j'avais pas ma chaîne YouTube encore. J'ai eu ma chaîne YouTube un an et demi plus tard, à peu près, un peu moins d'un an et demi après. Oui, parce qu'on est tout début 2020, j'ai eu en juillet 2021 ma chaîne YouTube. Donc je vais vous présenter ce court-métrage aujourd'hui dans cette vidéo. La plupart des rushs, la plupart des parties du court-métrage, on les a encore. C'est pour ça que je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. Mais il y en a qu'on a plus. Donc ça fait un écran noir en fait dans le court-métrage. Un long écran noir, si c'est une scène qui dure 2 minutes qu'on n'a plus, bah, il y a un écran noir pendant 2 minutes. Et donc je vais pas vous laisser ces écrans noirs pendant 2 minutes, c'est quand même juste ridicule. Donc à la place, quand il y a un écran noir, je reviendrai ici et puis je vous expliquerai en fait ce qu'il y a eu dans la scène qu'on n'a plus, ce que je me rappelle bien sûr. Voilà, donc c'est l'histoire d'un médecin. Voilà, c'est un médecin, je me suis inspiré de la série Urgence, ça n'a aucun rapport avec la série, le seul rapport qu'il y a c'est Docteur. Voilà, donc le court-métrage s'appelle Docteur Gray, parce que le personnage principal c'est le Docteur Gray. Et c'est moi qui le joue. Alors, on a changé, hein. Vous me voyez comme ça, j'ai pas vraiment cette tête, j'ai pas vraiment cette coupe dans le court-métrage. Donc, il y a moyen que ce soit très drôle. Voilà, n'hésitez pas, si ce genre de vidéo vous plaît, à vous abonner à la chaîne avec la petite cloche des notifications, à mettre un petit nombre de pouces bleus. Ça fait plaisir. Et puis, je vais vous laisser avec le court-métrage. Et puis, on se retrouve lorsqu'il y a une scène qu'on n'a plus, où je vous expliquerai un petit peu... quel était le but de la scène, donc on se retrouve tout de suite. En tout cas, je vous laisse avec le début du court-métrage. Bon visionnage. Oui, allô? Docteur Gray, c'est Docteur Juice à l'appareil. Qu'est-ce qui vous arrive, docteur? Les deux patients qui sont arrivés en même temps. J'arrive pas à les gérer, il faut que vous veniez. Très bien, j'arrive. Très bien, à tout à l'heure. Bonjour, c'est Docteur Juice. Vous êtes Monsieur Dusty, c'est ça? Oui. Excusez-moi, je reviens. Bonjour Peter, ça va? Très bien, merci. Où est mon patient? La dernière porte à droite. Très bien. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis le docteur Gray. Vous êtes monsieur Caswell? Oui. C'est vous qui avez des difficultés à respirer depuis quelques jours? Oui. Vous êtes asthmatique? Oui. Donc, très bien, je vais vérifier si votre cœur bat correctement. Respirez plutôt fort. Effectivement, votre cœur va trop lentement. Je vais vous donner un masque pour vous aider à respirer. Vous allez le tenir avec vos mains pour bien qu'il reste sur votre bouche. Je vais aller prévenir mon collègue et puis je vous retrouve tout de suite. Qu'est-ce qui lui arrive à ton patient? Entorse de la cheville. Il aura besoin d'une opération? Non, pas nécessaire. Le mien non plus, il est asthmatique, il a des difficultés à respirer, son cœur va pas correctement. Mm-hmm. Je vais pas vérifier pour ses poumons, mais ils ont l'air de fonctionner correctement. Donc, je te préviendrai s'il a besoin d'une opération. D'accord. On va retourner le voir tout de suite. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Mais ça pue, mon masque!
Remettez-moi ça. C'est pour vous sauver la vie, con. Monsieur. Monsieur, venez là. Monsieur. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur. Monsieur. Qu'est-ce qu'il y a, Peter? Il est mort. Qu'est-ce que ça? Mon patient. Je suis désolée. Et le tien, le patient, où est-il? Et il a pu partir, je lui ai rempli ses dossiers. Très bien, ta garde est terminée? Oui. Là, tu peux rentrer chez toi demain. Merci, Pete. Au revoir. À demain. Tu me fasses le test contre le coronavirus. J'en ai les symptômes. Va dans la salle 2, je vais chercher le matériel et je te rejoins. Mets-toi en position assise, je vais faire le test. D'accord. Attention, ça fait un peu mal, hein. D'accord. Ça va? Ouais. La deuxième narine? Aïe, aïe. Ouais, tu vas avoir tes résultats dans 2 jours. Je vais aller appeler un médecin remplaçant qui cherche un emploi pour te remplacer le temps de ton arrêt maladie. D'accord. Monsieur Clay. Oui, allô? Oui, allô, monsieur Klein? C'est le docteur Gray de l'hôpital de Brunois. Qu'est-ce qui se passe-t-il, docteur? Je cherche un médecin chirurgien pour un remplacement. Est-ce que vous êtes intéressé? Oui, je suis très intéressé. Très bien, vous commencez dans 48 heures. Merci. Bonne journée. Au revoir.
Voilà, mesdames et messieurs, on est au premier, à la première scène qu'on a plus. Donc vous voyez, on a quand même une bonne partie du, on est à la moitié du, à plus de la moitié du court-métrage à ce moment-là, quand la première scène a disparu. Vous avez déjà vu dans le générique, il manque deux plans, un plan de moi et un plan de mon frère Joshua, parce que c'était des plans qu'il y avait dans une des scènes qu'on a plus. Donc c'est pour ça que ça fait un écran noir, mais c'est pas grave, dans le générique ça dure pas longtemps, donc c'est pas un problème. En revanche, là, c'est une scène qui dure un petit peu quand même, une minute environ. C'est là, vous venez de voir, j'étais au téléphone avec un médecin qui va remplacer le docteur Jus. Donc, c'est le docteur Klein qui va le remplacer. Et là, la scène qu'on a plus, c'est la scène où il arrive dans la cour de l'hôpital. Donc, on est en extérieur et où je le rencontre, je lui dis bonjour. Et puis, je lui dis, je vais vous présenter, je vais vous faire visiter l'hôpital. Voilà, donc là, on va retrouver notre docteur Klein. Je vais lui faire visiter l'hôpital. Et puis, voilà, voici la suite. Bien prêt. Voilà, donc là, c'est notre première chambre de patient qui est pour l'instant inoccupée. Bien. Donc, je vais vous faire visiter la suite de l'hôpital. Allez-y. Allez-y, ouvrez la porte. Voilà. Donc là, c'est la pharmacie de l'hôpital. Ici, il y a des médicaments, tout ça. Ici, il y a des serviettes. D'accord. Là, votre blouse de médecin. Je vais vous laisser la mettre. Allez-y. Voilà. Donc là, je vais vous présenter ensuite le docteur Jus, le médecin que vous remplacez. Allez-y, vous pouvez y aller. Allez-y. Là, mesdames et messieurs, on a un gros blanc. On a un très gros blanc de... presque 3 minutes. De presque 3 minutes ce blanc. Parce qu'on a plusieurs scènes qui sont plus là, qu'on n'a plus. Donc je vais vous expliquer. Là, ce que vous venez de voir, c'est les dernières paroles qu'il y a eu, c'est moi qui lui dis je vais vous présenter le docteur Jus. Et donc on va vers la pièce et je lui dis allez-y entrer. Et là, écran noir. Parce que la scène où je lui présente le docteur Jus, ben, on l'a plus. Donc voilà, ça c'est la première scène. Après, je leur dis, je vous laisse faire connaissance, je vais aller voir dans la salle 1 parce qu'il y a un nouveau patient. Donc du coup, je les laisse tous les deux. Et puis là, on l'a plus non plus, mais il y a moi qui vais dans le couloir, qui vais dans la salle 1. Et je vois un petit garçon qui est dans la salle 1 et qui attend. Et c'est... mon fils, dans le court-métrage, c'est mon fils. Donc je me demande, mais qu'est-ce qu'il fait là? Parce qu'il était censé être chez sa mère. Donc il me dit, oui, je suis venu là, j'avais envie de te voir et tout, donc je suis venu, c'est maman qui m'a déposé devant l'hôpital. Je fais, ah, comment ça, c'est maman qui t'a déposé devant l'hôpital? Elle sait bien que je travaille, elle pouvait pas te garder un peu. Bon. Donc du coup, je m'absente, je vais dans une autre des salles, et voici ce qui se passe. Oui, allô? Notre fils, quel âge a-t-il? 4 ans, ouais. Tu penses qu'il s'est zébrouillé tout seul dans un hôpital? Ouais. Tu peux pas prendre 2 minutes de ton temps pour l'amener jusqu'à moi, non? C'est trop demandé. T'as trop de travail. Oh, tu veux que je me mette à pleurer? Oh. Mais tu peux quand même prendre 2 minutes de ton temps pour l'amener jusqu'à moi. Je pense qu'il restera un petit moment chez moi là, ok? Et puis pourquoi il a l'air... Il est malade de quoi? Il est en forme pour un gars malade quand même. 39 de fièvre? Oh, pauvre doudou. Oh, je vais prendre sa température, hein. Ah oh, ouais.
Mesdames et messieurs, après cette scène-là, c'est un écran noir jusqu'au générique de fin. Donc les scènes qui restent, on ne les a plus. Donc, quand je sors de la pièce, parce qu'il ne reste pas grand-chose, hein, vous inquiétez pas, vous n'allez pas manquer grand-chose. Mais quand je sors de la pièce à la fin de notre appel, j'arrive dans le couloir et puis je vois mon fils qui commence à descendre les escaliers. Il est dans les escaliers, du coup je lui dis qu'est-ce qui t'arrive. Il me dit je veux aller aux toilettes. Je lui dis bah là c'est en bas des escaliers, première porte à gauche. Je vais d'accord. Du coup il commence à descendre les escaliers, il trébuche, il glisse, il tombe dans les escaliers. Donc du coup je panique, je dis non. Et en bas des escaliers il y a un plan de mon fils qui est assommé tout simplement. Et puis le court-métrage se termine comme ça. Je voulais faire absolument une suite, mais mes frères n'étaient pas trop dans le mood. Donc il n'y a pas eu de suite. Donc du coup, c'est les gens qui voient qui peuvent s'imaginer une suite. Voilà, je vous laisse avec le générique de fin du coup. Voilà mesdames et messieurs pour le court-métrage que j'ai fait il y a bientôt 3 ans maintenant avec mes frères. J'espère qu'il vous a plu, c'est pas grand chose. C'est un dialogue très peu travaillé, c'est des plans nuls. Parce qu'on l'a fait vraiment juste nous quatre. Donc c'était très compliqué, vous savez il n'y a aucune scène où on est tous les quatre dans la même scène. Il n'y en a aucune. Pourquoi ? Parce qu'il fallait bien qu'il y en ait un qui filme, tout simplement. On pouvait pas faire ça, on pouvait pas, j'avais pas le trépied que j'ai là, tout, j'avais pas le matériel, j'avais même pas de téléphone à ce moment-là. C'était le téléphone de nos parents qu'on utilisait. Donc c'est pas ce téléphone-là et tout. Le montage, je l'ai fait sur un ancien iPad, j'ai récupéré sur mon nouvel iPad le court-métrage, mais j'ai pas monté le court-métrage sur cet iPad-là. C'était sur celui d'avant qui était plus ancien et donc ça buguait plus, c'était plus compliqué, donc au niveau du montage un peu galère aussi. Mais on a quand même réussi à faire quelque chose et rien que pour ça, je suis vraiment content de ce court-métrage. Même s'il n'est pas cool, même si on a l'air un peu ridicule, je suis content. C'est une première expérience dans le cinéma, dans la vidéo. Première expérience et c'était hyper chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé. Mes frères, ils n'ont pas voulu faire une suite parce que c'est pas vraiment leur délire, les vidéos, etc. Sauf de temps en temps, une vidéo sur ma chaîne, etc. Ils sont chauds. Mais sinon, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est une vidéo assez sympa, quand même. Je suis assez content de l'avoir faite, cette vidéo. Je la trouve assez cool. N'hésitez pas, du coup, à vous abonner à la chaîne, si ça vous a plu. Hein. Mettre un pouce bleu aussi, ça fait plaisir. Hein. Et puis, on se retrouve demain à 14h sur YouTube pour une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé celle-là. En tout cas, n'hésitez pas également à la commenter et à la partager. Et on se retrouve demain. Ciao.